Ici Mélissa Raté, au nom de toute l'équipe de Zone scolaire, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue. Émission entièrement consacrée aux établissements de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean. Je me retrouve actuellement au Centre de formation générale des adultes ainsi qu'au SARCA. Vous aurez tous les détails un petit peu plus tard, mais tout juste avant, allons rencontrer la présidente de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean, Mme Roxane Thibault. Madame Thibault, c'est un plaisir de vous retrouver pour l'émission Zone scolaire. Bonjour, Mélissa. Tout d'abord, plusieurs sujets ont été abordés à la dernière séance des commissaires. Consultation sur le prochain calendrier scolaire. Comme à tous les années, la commission scolaire a le devoir de faire une consultation sur son calendrier scolaire. Il y a déjà des dates d'arrêté et on s'en va en consultation pour la formation générale jeune auprès du comité de parents et du syndicat de l'enseignement. Il y a des dates qu'on... c'est impossible de changer, mais disons qu'il y a des choses peut-être dans les journées pédagogiques, selon les enseignants, des fois connaissent des choses que nous, on n'a pas vraiment connaissance. Et c'est eux qui vont décider ou ils vont nous faire des propositions pour l'adopter au mois d'avril, à la prochaine rencontre du, je crois, le 11 avril. Autre sujet, évidemment, à chaque année, la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean reçoit des subventions pour le maintien des bâtiments. Qu'est-ce qui s'en vient, entre autres, pour l'année qui s'en vient? Je vous dirais que cette année, c'est une subvention d'un peu plus de 4 millions qu'on a eu, 4,4 millions, je crois. Et la commission scolaire ajoute quand même un 2 millions à cette subvention pour faire des rénovations dans ces établissements et aussi le maintien pour que nos établissements soient quand même adéquats et pour recevoir nos jeunes et nos adultes. Il y a beaucoup de fenestration dans les écoles. Je pense qu'on est rendu pratiquement à la fin de nos écoles pour les fenestrations. Vous avez juste à passer et regarder. Quand les fenêtres sont un peu teintées, ça veut dire qu'on a changé toute la fenestration, les portes. La sécurité aussi qu'on a parlé la dernière fois. Bien, là, on continue dans ce programme-là à sécuriser nos écoles pour les jeunes et pour les parents quand ils se doivent de rencontrer soit les directions ou d'aller chercher leurs jeunes. Il y a des douches qui vont être refaites. Il y a des salles de bain aussi. Il y a des réfections de bassins au niveau aussi de la chaufferie qu'on va refaire. Il y a beaucoup de projets. Puis je peux vous dire qu'on est fiers parce que notre commission scolaire met beaucoup d'importance à ce que nos écoles soient quand même recevables, je devrais pas dire recevables, soient accueillantes pour notre personnel et nos jeunes. Plusieurs activités sont à venir, entre autres, parlons de l'activité démocratie scolaire. C'est quoi précisément cette activité-là? L'activité démocratie scolaire se trouve au niveau du secondaire. Nos quatre écoles secondaires ont deux représentants par école qui vont se réunir avec des représentants de la commission scolaire. On va faire une simulation d'une plénière, ce qui veut dire que moi, je suis présente comme présidente, ma vice-présidente est là, et j'ai deux commissaires de secteur qui représentent nos écoles secondaires, plus mon parent commissaire du secondaire qui va être présent avec les jeunes, et on va discuter. Un des sujets qu'on discute, c'est le décrochage scolaire. C'est certain que c'est une chose qui les intéresse, et je vais regarder pour pas me mêler, et l'intimidation aussi, qui est un sujet, la persévérance scolaire. Là, il y a deux autres sujets qu'on leur a laissé le choix. On n'a pas eu de retour là-dessus, mais j'imagine que d'ici quelques temps, on va l'avoir. L'activité a lieu le 11 avril, le matin. On leur fait visiter le centre administratif, tous les services. À quoi servent les personnes qui sont dans ces services? Qu'est-ce qu'on leur demande comme travail? Et ensuite, on fait notre plénière, une simulation de plénière qu'on discute ensemble. Et on revient ensuite au Conseil des commissaires. Tout à l'heure, j'ai dit le 11 avril et je me suis trompée, c'est le 17 avril. Qu'on a un conseil des commissaires. Et à ce conseil, les jeunes vont faire un retour sur ce qu'on a dit et les discussions qu'on a eues ensemble, leur vécu, comment ils voient ça, les demandes qu'ils ont à nous faire aussi. C'est certain qu'on est là aussi pour les écouter. Et les écouter, ça ne veut pas dire qu'on va tout faire, qu'est-ce qu'ils disent, mais on est là pour les écouter, puis on est heureux de les accueillir. C'est rare que nos jeunes du secondaire... Une année, c'est le primaire, une année, c'est le secondaire. Les jeunes du primaire ont des fois plus de facilité à venir donner leur opinion. Mais au secondaire, c'est vraiment plus sérieux, puis c'est très intéressant. En tout cas, moi, j'ai hâte à cette activité-là. Autre activité, évidemment, à venir au printemps, fin mai, début juin, c'est le sommet de l'éducation publique.
C'est le sommet qui devient un forum du 31 mai au 1er juin qui réunit toutes les commissions scolaires du Québec suite à une tournée provinciale que la Fédération des commissions scolaires a fait dans toutes les commissions scolaires. À venir jusqu'à date, il ne restait que deux commissions scolaires à faire depuis la date, je vous dirais, de la semaine passée où on était présent en Conseil général. Et c'est un sommet très important. L'avenir de l'éducation, on ne se le cachera pas, est quand même flottante. On ne sait pas où on s'en va avec ça. Et je pense que d'écouter toutes les gens et les personnes qui vont être autour de la table à discuter, on a des jeunes qui vont y participer. On a demandé des jeunes qui sont impliqués au niveau de leur école, au niveau, il y a personne des gouvernements étudiants, bien, on va avoir plusieurs jeunes qui vont venir. Cette année, la coprésidence sera faite par M. Paul Gérin-Lajoie, qui est coprésident du Sommet sur l'éducation publique, premier titulaire du ministère de l'Éducation du Québec, président fondateur de la Fondation PGL. Et ensuite, on a Mme Léa Clermont-Dion, qui est coprésidente du Sommet de l'éducation publique, étudiante en sciences publiques à l'Université du Québec à Montréal. C'est une, la personnalité de la presse Radio-Canada, personnalité par excellence 2011 de Force Avenir, co-animatrice de la Charte québécoise pour une image corporelle saine et diversifiée, diplômée de la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord. Je crois que ça va être quelque chose de super intéressant et on demande, il y a même les gens des municipalités qui vont être présents, on demande d'avoir une grande participation. Je pense que c'est le temps d'aller discuter de l'éducation tous ensemble. Projet de loi sur l'intimidation, c'est sorti évidemment au cours des dernières semaines. Ça a été annoncé également concernant la violence à l'école. Oui, le projet de loi a été déposé, ça fait quand même, je pense, une semaine à peu près. On l'a reçu sans avoir d'avertissement comme de quoi qu'on allait avoir à se prononcer sur un projet de loi de cette envergure. On est en accord avec d'avoir un projet de loi contre l'intimidation et la violence à l'école. Je pense que, gars, c'est tout à fait normal. Mais où je crois qu'on a un petit peu de misère, c'est dans le contenu et dans le chevauchement des responsabilités de chaque intervenant au niveau des commissions scolaires. On part du conseil d'établissement, on s'en va à la direction d'école. On a juste que nos jeunes. Les conseils d'école sont impliqués aussi. On s'en va après ça à la commission scolaire. On a nos directions d'établissement, je viens de le dire. Les commissions scolaires telles qu'elles sont impliquées, la fédération, les protecteurs de l'élève et le ministère. Ce qui veut dire qu'on recommence ce qu'on avait demandé de plus faire, beaucoup de paperasse pour réussir à avoir un aboutissement peut-être d'une plainte ou d'une situation. Les situations de violence ne doivent pas être réglées dans 5 jours. Une situation de violence se doit d'être réglée sur le moment. Mm-hmm. Nous, à la commission scolaire, on a déjà des gens qui s'occupent de ces dossiers, qui prennent les jeunes, qui discutent avec les jeunes sur le fait. Pas 3 jours et 4 jours après, ça donne rien. On prend des contacts avec les parents. Ce qui veut dire, c'est qu'on va réagir à ce projet de loi. En tant que commission scolaire, on réagit. Et en tant que fédération de la commission scolaire en région, on va avoir une réunion lundi et on réagit aussi à ce que la ministre nous a donné comme projet de loi. Il peut y avoir juste que des sanctions monétaires. S'il y a des choses qu'on ne fait pas ou qui aboutissent pas, la ministre peut nous couper des subventions. C'est rendu un peu loin, là. Je pense qu'à un moment donné, on est rendu, on coupe dans la bureaucratie parce qu'on est obligé avec le projet de loi sort. Mais là, elle nous demande de refaire encore et de donner plus de travail dans nos écoles et dans nos commissions scolaires. Ça fait que c'est un petit peu difficile à accepter, mais je vous dis qu'il y a des choses qui sont très bonnes là-dedans et qu'on va être en accord. Mais on va quand même demander des modifications à son projet de loi. On verra qu'est-ce qui va arriver. Évidemment, dossier à suivre sur le projet de loi sur l'intimidation. On va faire une mise au point concernant le taux de décrochage scolaire. Ça a été annoncé au cours des dernières semaines. Vous savez, à la commission scolaire, le taux de décrochage, on est quand même des champions. On a toujours eu la collaboration de CREPA, ECOB, la santé. On a toujours travaillé énormément avec nos gens qui sont sur place. Oui, les taux de décrochage se sont maintenus cette année. Mais je vous dirais que nous, notre cible de 2015 dans notre projet, dans notre plan stratégique, est de 16,9 pour 2015 qu'on devait atteindre. On est à 13,2. Ça veut dire qu'on est quand même performant. Le problème qu'on a toujours eu, et on n'est pas les seuls, c'est que les garçons décrochent plus que les filles. Bien, on a quand même des gens qui se sont mobilisés dans les 4 commissions scolaires, mobilisés ensemble pour réussir, pour donner des pistes de solutions pour les garçons.
Il y a des projets qui se font à travers les écoles. Il y a la lecture pour les garçons. Je vous dirais qu'ici, on a un projet aussi de camp de lecture qui se faisait en cinquième année, que cette année, ils vont se faire au secondaire. Toujours pour les garçons. C'est sûr qu'on a des filles qui décrochent, mais le problème est moins flagrant que si on s'en remet aux garçons. On continue à travailler pour les filles aussi, mais on essaie quand même de donner une chance aux garçons de trouver de l'intérêt à nos programmes. On commence aussi à 3 ans avec les C3S et les CLSC, les CPE, à détecter des jeunes qui pourraient avoir des difficultés d'apprentissage. On le fait avec les préscolaires, avec notre passe-partout. Ça fait que je pense qu'on a un gros travail de fait. Puis oui, on a encore des choses à améliorer, mais je pense qu'on en a fait beaucoup. Semaine de relâche qui s'en vient, évidemment, pour les plus jeunes et pour les plus grands également. Accès Loisirs qui est de retour pour offrir le service de transport. Accès Loisirs va avoir 2 journées de plus à son horaire pour desservir les jeunes des secteurs, soit le mardi et le jeudi. Toujours au coût de 5 $, toujours aux mêmes choses, qui entrent aussi dans le passeport et tout ça. Ça fait que je pense que c'est une bonne chose pour on demande aux jeunes... Si, en tout cas, il manque d'informations, c'est optiontransport.com où ils peuvent aller chercher de l'information sur leur site net. Puis j'espère que les jeunes vont y participer, puis je leur souhaite une belle semaine. En terminant, Mme Thibault va parler évidemment de la semaine des adultes en formation. Ça s'en vient, ça va commencer le 24 mars prochain. Exactement, du 24 mars au 1er avril. Et on n'oublie pas nos adultes, que ce soit de n'importe quel âge. Je vous dirais qu'on va quand même à un âge respectable. La formation générale des adultes permet à nos gens de n'importe quel âge d'aller se former dans, peut-être juste pour le plaisir, son plaisir personnel, pour l'estime de soi, d'aller faire autre chose et de continuer à alimenter ses connaissances. La formation se donne dans tous les secteurs. Il y a différents points où vous pouvez avoir de l'information. Et le SARCA, ici, est la place où les gens peuvent se référer s'ils veulent avoir une formation spécifique à leurs besoins à eux. C'est une semaine, je pense, qui permet aux gens de venir voir aussi qu'est-ce qui va se faire et d'avoir des demandes. C'est normal, des fois, d'avoir des demandes qu'on peut desservir, mais on n'a pas pensé. Ça fait que c'est ici, du 24 au 1er avril, sur le boulevard Saint-Luc, que vous venez au SARCA. Il va y avoir des gens pour vous répondre de tous les niveaux pour vos besoins personnels. Je vais vous donner le site web adultenformation.com. Fait que si vous voulez avoir plus de renseignements comme autre chose, vous allez sur le site qui est très alimenté. Madame Thibault, ça a été un plaisir de vous rencontrer. Merci. Merci, Mélissa.